Et c'est ainsi que le vagabond solitaire s'aventura hors de l'abri 101 pour connaître le destin de son père, qui autrefois sacrifia le futur de l'humanité pour préserver son enfant unique. Les terres désolées de la capitale s'avérèrent un lieu cruel et inhospitalier. Mais le vagabond solitaire ne sombra pas dans les vices qui causèrent la perte de tant d'autres de ses semblables. À travers les épreuves innombrables, les valeurs transmises du père à son enfant, abnégation, compassion, honneur, guidèrent son âme noble vers le succès. Et ce ne fut qu'à la fin de son périple que le vagabond solitaire comprit le sens véritable de la plus grande des vertus, le sacrifice de soi. L'enfant refusa de suivre l'exemple du père. Il laissa entrer à sa place, dans la salle de contrôle irradiée du projet Pureté, un héros digne de ce nom, qui sacrifia sa propre vie pour le bien de l'humanité. Choisi par le malveillant président, le vagabond refusa de devenir un instrument de destruction. L'humanité, malgré tous ses défauts, fut jugée digne d'être préservée. Les eaux de la vie coulèrent enfin dans l'abondance et dans la pureté, pour le bien de tous. Les terres désolées de la capitale étaient sauvées. Ainsi se termine l'histoire du vagabond solitaire qui franchit le seuil de l'abri 101 pour entrer dans la légende. Quant à l'histoire de l'humanité, elle ne s'achèvera jamais, car les luttes pour survivre alimentent une guerre sans fin. Et la guerre ne meurt jamais. Et bien voilà, Fallout 3 est terminé. Donc une fin. Je pense que je vais faire de la manière. Au moment où vous voyez ça, j'aurai certainement posté ce discours sur les différentes fins disponibles. Comme ça, vous aurez un aperçu complet si vous souhaitez pas jouer au jeu, mais de voir un peu comment ça fait si vous choisissez telle ou telle option. Donc que dire maintenant du jeu en lui-même. S'il fallait faire une analyse du plaisir de jeu, le plaisir est grand. On se trouve dans des situations assez compliquées, même si je pense que pour un challenge minimal, il faut jouer au moment difficile. Voilà, sinon après ça devient vraiment trop facile et on y perd un peu de plaisir justement de se sentir dans un environnement dangereux où on n'est pas forcément en position de force. Le deuxième point, c'est que c'est très plaisant, mais aussi très frustrant. Notamment du fait qu'il y a beaucoup de lieux à visiter, et dans ces lieux-là, en fait, on y rentre avec l'espoir de deux choses. Alors d'une récompense évidemment, donc parfois ça arrive, une poupée, une armure, une nouvelle arme, etc. expérimentale. Mais ce qui est vraiment frustrant, du moins pour les gens qui aiment vraiment se plonger dans des univers et découvrir du lore, pouvoir jouer à du Elder Scrolls quoi, tout simplement. Je trouve que c'est quand même ce manque flagrant d'informations sur le monde avant la guerre. Donc je veux bien croire oui qu'il y a une destruction, etc. Mais pour y retrouver des vieux bouquins qui n'ont pas été détruits, des computers dans lesquels on pourrait avoir quelques informations voilà, qui permettent d'enrichir un peu d'enrichir l'environnement et le background, le lore du jeu, ce qu'on pouvait éventuellement retrouver dans les précédents Fallout, je trouve, où il y avait une vie où on discutait avec les gens, où on sentait que voilà, c'était pas le désert complet. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une rupture à ce niveau-là entre les deux jeux. Ensuite, en ce qui concerne les personnages en eux-mêmes, j'en avais déjà parlé, je trouve qu'il y a un peu moins de profondeur sur les personnages secondaires que ce qu'on aurait pu retrouver totalement dans les autres Fallout. La preuve, c'est que le gars que j'ai retrouvé dans l'arbre à l'oasis, je savais à qui il correspondait, parce que voilà, sa manière de parler, les discours, etc., il y avait une certaine manière de faire qui était vraiment très intéressante. En ce qui concerne ensuite l'histoire en elle-même, je trouve qu'on reste quand même, comme vous avez pu le voir, assez libre de ses actions. On peut aller à droite, à gauche,
sans trop sourciller. Il y a un certain impact sur les actions qu'on aura menées, même si je trouve que les quêtes secondaires sont pas assez mises en avant, comme ça avait pu être le cas. Toujours pareil dans les fins alternatives des différentes Fallout où on avait un peu un retour sur investissement des actions qu'on avait réalisées. Sinon, voilà, le système de combat, le système de jeu est vraiment très plaisant. En tout cas, moi, j'ai pris un grand plaisir à jouer, à découvrir, à redécouvrir plutôt, donc, à redécouvrir le jeu, à le finir vraiment de fond en comble, à découvrir donc tous les lieux cachés. Mais voilà, il y a vraiment également cette impression donc de frustration qui ressort et qui me laisse un peu sur la fin. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les décors, donc également des décors qui se ressemblent vraiment beaucoup. Il y a vraiment très peu de variété. On en retrouve toujours le même bureau, on retrouve toujours les mêmes PC. L'environnement de destruction est toujours le même, un bâtiment en ruine, limite c'est du copier-coller. Heureusement, on retrouve quelques endroits donc de Washington qui sont bien reproduits, où là ça apporte un peu de variété, mais sorti des bâtiments un peu, on va dire, typiques, le reste du copier-coller d'environnement. Et des murs invisibles qui sont juste insupportables. voilà. Sinon, voilà, pour l'époque, c'était quand même pas dégueulasse, hein. On va pas se le cacher, mais voilà, manque de diversité quand même. Mais bon, on va pas rester sur une note négative tout de même. C'est un bon jeu. Si vous aimez l'univers des Fallout, vous y retrouverez, vous y prendrez du plaisir, vous porterez l'armure assistée et rien que ça, déjà, ça vaut le coup d'y jouer. Donc, ce qui va arriver maintenant. Pour la suite du playthrough, donc c'est-à-dire qu'il reste encore les DLC à faire, et donc je compte m'y attaquer dès le prochain épisode. Donc je sais pas encore lequel est sorti de manière chronologique. Donc on va essayer de suivre un peu la chronologie de sortie des DLC pour pouvoir les faire, et je pense qu'on devrait finir pile poil à la sortie de Fallout 4, ce qui sera parfait. Donc je tenais également à remercier donc tous ceux qui ont suivi ce playthrough, tous ceux qui auront envie de regarder les deux autres pour peut-être s'imprégner un peu plus de l'univers de Fallout avant l'arrivée de Fallout 4, en sachant que voilà, les deux autres, enfin les trois autres même, c'est quand même du costaud, hein, il y a un certain nombre d'heures de vidéos. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Bah, et puis merci d'être de plus en plus nombreux également à suivre la chaîne. Je n'étais pas parti sur un objectif particulier, voilà, c'était juste pour prendre du plaisir, partager des jeux. Mais voilà, il y a des gens qui rejoignent de plus en plus, à qui ça plaît, et donc si ça vous plaît, bah écoutez, moi ça me plaît également. Donc voilà, et bah écoutez, c'est sur cette note positive qu'on va se quitter. Et ben bah, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce playthrough. Et à très bientôt, ciao ciao!